Bonjour, je me trouve à Villers, en Belgique. Il fait un temps absolument splendide. Un grand soleil, toutes les motos sont dehors. Moi aussi, je suis allé faire un petit tour en deux roues aujourd'hui. C'est vraiment super agréable. Et j'ai trouvé un restaurant vraiment très agréable, puisque dehors, il y a des bancs derrière moi. Les gens peuvent venir déjeuner en famille. C'est extra. Et même sur la terrasse qui est derrière moi, il y a encore plein de tables. On peut venir déjeuner. C'est super agréable. Il y a pas mal de motards qui s'arrêtent par ici. Et c'est vraiment très sympa, surtout quand il fait beau. Alors je suis rentré dans le restaurant et j'ai dit, ben voilà, je voudrais manger une frite. Ça me faisait plaisir de manger une frite. Alors on m'a dit, ah non monsieur, on ne peut pas manger une frite sans un plat principal. Alors vous découvrez devant vous le plat principal, c'est que de la viande avec plein d'autres choses. J'ai pas envie de manger de viande, je veux juste manger une frite, mais c'est pas possible. Le restaurant pourrait la faire payer plus cher, mais non, on ne mange pas une frite sans un autre plat. Bon, alors j'ai quand même regardé, peut-être que je pourrais le prendre avec une salade ou quelque chose. Et puis, au moment où j'ai voulu m'asseoir, on m'a dit, ben non, vous ne pouvez pas vous asseoir sur les bancs. Les bancs sont vides, mais on ne sert pas dehors. Ah, et j'ai dit, bon, ben vous servez sur la terrasse. Ah non, on ne sert pas non plus sur la terrasse parce qu'il y a trop de gens, tout est complet, c'est réservé. Donc vous ne pouvez manger qu'à l'intérieur. Alors quand on a la chance d'avoir un outil de travail formidable, bien placé juste en face de Villers, la ville qui sont les ruines de Villers où il y a beaucoup de touristes qui passent, quand on a la chance d'avoir un outil de travail aussi bien placé, aussi agréable, eh bien on évite de faire ce genre de choses. Ça fait fuir les clients. Quand un client vous demande quelque chose, soyez sympa, dites oui. Vous n'avez qu'à faire payer la frite plus chère, ce n'est pas un problème. Souvent, on ne se rend pas compte en fait qu'on fait fuir les clients simplement parce qu'on a mis des règles en route qui sont un petit peu bêtes, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vais chercher un autre endroit pour aller déjeuner, pour manger ma frite avec un coca, pourquoi pas. Finalement, j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé une friterie super sympa. Il y a un monsieur, il a même son portrait au mur, vous voyez ça ? Il a son portrait au mur, c'est fou dire s'il est célèbre. Et ici, il paraît que c'est les meilleures frites des environs. Alors, je vais me régaler, vous voyez. Je vais prendre un coca aussi. Un coca normal ? Oui, un coca normal. Et voilà, s'il vous plaît, très bon appétit à vous. Merci beaucoup. Bon là, franchement, je pense que je vais pas réussir à tout manger. C'est énorme, énorme ! Il m'a donné une énorme portion de frites. Super sympa. Donc si jamais vous passez dans les environs à la Hulpe, allez chez Thibaut, voilà. Chez Thib, pas Thibaut, chez Thib. Voilà. J'ai des voisines là qui sont en train de se régaler. Vous allez passer. Pour venir manger les frites chez Thib, c'est comme ça. Voilà, vous allez passer sur YouTube là. Hein. Ah oui. Non, c'est vrai, c'est bien. C'est bien. J'ai mangé toutes les frites qui étaient autour de mon paquet de frites et j'arrive pas à terminer. C'est énorme. Pourtant, hein, vous voyez, je mange équilibré. Hein. Que des légumes, des pommes de terre, des tomates, c'est que des légumes. Avec un coca, ça c'est bien. C'est bien manger équilibré, ça. Et en plus, j'ai droit à un sac. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement je me suis régalé, mais en plus, j'ai oublié de payer. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Ah, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Ça me fera plaisir. Et puis, je vous ferai goûter les frites de chez Thib.